Pour monter sur la boule, on demande à l'élève de venir attraper les épaules de l'enseignant, placé à genoux dressés perpendiculairement aux deux pas d'élan pris par l'élève. Celui-ci amène ainsi son centre de gravité au-dessus de son appui et évite tout roulement important de la boule. Une fois debout, sur la boule, il construit son équilibre par de nombreux piétinements des deux pieds. Réaliser un tour sur soi-même permet de bien sentir la construction de cet équilibre. La descente s'effectue toujours vers l'avant, en gardant les pieds le plus longtemps possible sur la boule, pour réduire la hauteur et la vitesse de chute.